Aujourd'hui, les enfants, on va étudier le sujet. Si quelqu'un il se réveille le matin de Shabbat, il voit que son plat de Shabbat, donc la dafina, elle est sur le point de brûler. Il n'y a pas assez d'eau. Et quand elle continue à mijoter, jusqu'à la fin de la tefila de Shacharit et Moussaf, il n'y aura plus rien à manger. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Rajouter de l'eau pour que le tafshil, il ne brûle pas. Maintenant, Moutar ou Asour? Oui? Asour, pourquoi? Je fais cuire quoi? Je fais cuire la marmite. La marmite, elle est déjà cuite, ça? Bon, la vérité, je suis très étonné. Je ne sais pas comment vous pouvez répondre à cette question alors qu'il y a une donnée très importante que je n'ai pas dit. Ça dépend déjà, il faut réfléchir. Cette eau que je vais verser, elle est quoi? Chaude ou froide? Si elle est froide, ça commence même pas. De l'eau froide que tu mets dans un tafshil qui est sur le feu, klirishon, smashé là. Pas chaude que c'est à seau. Tu es en train d'être mevachel cette eau. D'accord, Noam? Ne dis pas chaude que c'est mouta. Faut bien écouter l'énoncé. Si il manque des données, tu réponds pas. Ça, c'est un point. Maintenant, si l'eau, elle est du koumkoum, je la mets dans un verre, donc elle est encore chaude, et je la mets dans cette marmite. Maintenant, on a les données un peu plus claires. Moutar ou assour? Oui? Et alors? Ouais? Donc? Ma mâche la FR. Étant donné que c'est un klisheni, quand tu le mets dans la marmite elle est klirishon, le klirishon il va être mevachel cette eau. Arezelo, c'est comme si c'était de l'eau froide. De l'eau froide que tu mets dans une marmite chaude, bouillante, sur le feu, elle va la cuire. Pas chaude que c'est à sourd. La shéla, elle serait, si je prends du koumkoum, je la mets directement dans la marmite. C'est-à-dire la marmite, elle est encore sur la plata. Le koumkoum, rempli d'eau chaude, il est sur la plata. Je fais vout comme ça. Ah, c'est mes clérichons, les clérichons. Mahadine, encore une fois. Attention, pour l'instant, tout le monde zéro. Toi? Parce que les deux sont clérichons. Bon. Déjà, là, je commence à entendre ta svara. Maintenant, viens, on voit qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, dans Siman Resh Nun Gimel Sarif Dalet, il parle d'un cas qui n'est pas exactement le même. Il parle de ceux qui avaient l'habitude à l'époque de prendre de l'eau chaude, de la faire bouillir avant Shabbat et d'être tomé nota. Prennent des couvertures et ils la couvrent. Qu'est-ce qui va se passer le fait qu'il y a des couvertures? Oui? La chaleur, elle va rester. Pourquoi ils font ça justement? Pour que demain matin, s'ils voient que le plat de Shabbat, le Hamin Shel Shabbat, il est sur le point de brûler, hop, ils versent. Le Shulchan Aruch, il dit Yeshlimchot. Il faut réprimander, les empêcher de faire ce que je viens d'énoncer. Et pourquoi? Il ne donne pas la raison. Il ne donne pas la raison. Maintenant, on va réfléchir. C'est quoi le makor de ce Shulchan Aruch? Le makor, c'est un Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit, il parle justement de ces gens-là, il dit il ne faut pas faire ça. Il donne deux raisons. Première raison, il dit parce que c'est très possible que le matin, cette eau-là qui est dans ton koumkoum, qui a été enveloppée par des couvertures, le moment où tu la sors, cette eau-là, elle n'est plus très chaude, elle est tiède, on va dire, aux alentours de 40 degrés Celsius. Et quand tu vas la verser, à ce moment-là, elle va redevenir yetzoled, et donc tu vas re-être mevachel. Première raison. Deuxième raison, même si cette eau-là, elle est complètement, elle est bien chaude, le fait qu'elle sorte, donc à un moment donné, il va y avoir le jet, et donc là, c'est en plein air, et là, ça devient un hérouille. Un hérouille klirishon, zelo kmo klirishon mamash. Klirishon, il est vraiment mevachel. Klirishon, il est mevachel. Un hérouille klirishon, il est mevachel combien? Combien? Nous? Un hérouille klirishon, c'est mevachel combien? Mevachel qui est derklipa. Ça veut dire il est cuit, mais une première couche. C'est-à-dire si j'ai un bout de viande cru, si je verse de l'eau chaude bouillante d'un klirishon, il va pas me cuire toute la viande. Il va cuire une première couche. Donc si j'enlève la première couche, par exemple dans Bassar Béhalav, le reste, il sera moutard. Si c'est du lait chaud sur un morceau de viande froid, j'enlève la première couche et le reste, il est moutard. Donc là, le fait que l'eau, elle sorte en plein air, même si ça dure quelques secondes, hein, même pas une seconde, malgré tout, ça s'est refroidi. Donc la force de l'eau, elle est plus retard, elle ne peut plus être mevachel, plus qu'elle des clipas. Donc quand tu vas la remettre dans Clérichon, elle va redevenir mevachel, mamash. Pourquoi? Parce qu'elle va re-être retard. Donc ça, c'est les deux raisons qui donnent Rabbeinu Yonah, donc c'est pour ça que c'est assourd. Maintenant, venons réfléchir à la nafkamina entre les deux raisons. Si tu prends la raison qui dit parce que le fait que tu as été matmine, peut-être que ça s'est refroidi. Si elle est sur le feu, elle ne s'est pas refroidie.
Donc, il n'y a pas ce hashash. Alors que si tu prends le deuxième raison qui dit, mais il y a quand même une seconde dans l'air où c'est devenu Kuk et Derklifa, ça va sortir que c'est un saut. Le Igletal, il dit, Rabbeinu Avraham Misurchotchov, celui qui a écrit le Avne Nezer, il dit, Da'at Maren, elle est comme la première raison de Rabbeinu Yona. Donc, il dit que ça serait moutard. Par contre, le Baron va dire, Youssef, il tient très fort que Maren, il tient même la deuxième raison. Il l'a répété à chaque fois, dans Yahavedat, Halekdal, et dans Alechot Orlam, et dans Hazon, on va dire. Malgré tout, il y a des Ahronim qui ne sont pas d'accord et qui tiennent que Da'at Maran elle est moutard. Ils ramènent une raya. C'est quoi la raya? Le Shulchan Aruch, il a pris quel cas? Il a pris le cas de l'eau bouillante ou bien de l'eau qui est enveloppée avec des couvertures? L'eau qui est enveloppée. Il a pris le cas de Amat Minim, ceux qui cachent. Si vraiment le Shulchan Aruch était la deuxième raison de Rabbeinu Yonah, il aurait dû prendre un cas plus extrême et j'aurais appris par Kol Sheken. Il aurait dû dire Yesh Limhod Be Mishimere. Mais le Klirishon, pas seulement Michetomen, et la Mouchrah, que Da'at Maran, elle est comme la première raison, et ça sortirait que c'est Mouta. Donc, c'est pour cela, c'est une Mahlok, et entre le Béon Vadia, et encore beaucoup d'autres Aharonim, la Lacha, elle est, la Maskana, elle est, un Mahmir, Tavor la Lacha, mais celui qui veut être Merel, Yeshlo, Alma, Lismor. Celui qui veut être Merel, il aura sur qui s'appuyer. Comme je précise, de l'eau qui est ma mâche dans le Klirishon, pas tu fais passer par un verre, parce que là, Vadai, que c'est à souris. Grâce à ça, on peut apprendre d'autres cas, mais qu'on verra peut-être une autre fois. Attention.